de la suivre. Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Uncharted de Lost Legacy. Nous en sommes au chapitre 6, le gardien de la porte. Et souvenez-vous, Nadine s'était barrée, Nadine était partie avec un véhicule suite à une petite embrouille qu'il y a eu entre Chloé et Nadine. Et en plus de cela, on a recroisé le frère de Nathan Drake, ça fait d'ailleurs plaisir de le revoir. Mais c'était ouais, un sacré charlatan entre guillemets. Il a l'habitude de mentir, il va falloir je pense clairement se méfier. Je rappelle qu'à la base on devait aller chasser le trésor avec lui. Et finalement on a choisi Nadine, c'est pour ça qu'elle a pris ça comme une traîtrise. Mais on sait pas vraiment ce qui se cache derrière ou tout ce que ça entreprend, hein, le fait qu'il soit 3 au lieu de 2. Après, comme disait Chloé, normalement ça n'aurait rien changé à la part qu'elle aurait eu si on avait eu le trésor. Heureusement que j'ai pris des calmants. Évidemment, ils sont restés dans le 4x4. Bref, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un peu de temps pour vous sortir cet épisode, j'ai aucune excuse. Je voulais tout simplement que la fin de Beyond Two Souls soit vue entre guillemets de tous, en tout cas de tous ceux qui suivaient la série. Et je voulais vous laisser quelques jours pour le regarder et pour pas que vous puissiez venir me voir et me dire « Mister B-Boy, où est la suite de Beyond Two Souls ?» Alors que ça y est, nous avons fini ce let's play, c'était totalement incroyable. On est parti, donc c'était pas du tout par derrière. Là on dirait une map un peu semi-ouverte, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Là, c'est sûr, je prends ce que je mérite. C'est une évidence, je me salis. Moins vite. Bah. Oh. Bon, au moins il reste ma dignité. Oula, fais attention. Hop, est-ce qu'on peut se nettoyer là dans l'eau là? Attendez, simple curiosité. Attendez. Non, ça marche pas. En tout cas, pas dans cette eau. Mais dans les anciens Uncharted, on pouvait se laver. Se laver entre guillemets, hein, quand on avait de la boue sur nous. Il suffisait de faire une petite roulade ou de nager dans de l'eau plus claire. Et ça partait sans aucun... Ça part ! Ça part ! Attendez. Attendez. Attendez, attendez. Je crois que ça part. Oui, j'essaye des trucs, voilà, j'essaye des prototypes. Les gars, je suis un peu bêta-testeur. Ouais, non, je suis pas sûr au final. Je suis pas sûr que ce soit parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on suit la rivière ? Ou est-ce qu'on va contre cette rivière ? Attendez, vous l'avez vu? Mon sens de l'araignée s'affole. Vous l'avez vu ou pas? Je vais où d'après vous? Je vais où, bordel de merde? Après, où est Charlie? Où est le trésor? Eh ben, il est là, les gars. Bah oui, évidemment, évidemment. Je l'ai vu de très très loin, celui-là. Je l'ai vu arriver, cette petite coquine. C'est bon, j'ai plus de boue. Oh! J'adore. Je sais pas c'est quoi, on dirait une théière. Mais j'adore. On va passer par ici. Donc là, ça, normalement, on est censé pouvoir le faire en voiture. Je pense qu'on va récupérer notre véhicule. Et on va pouvoir faire ce passage-là. Par contre, on peut pas passer par là-haut. Et là, là, je pense qu'on peut. Pas envie de vous dire n'importe quoi. Attendez. On va aller voir, hein. De toute façon, on n'a rien à perdre. On est seul. Seul face au doute. Seul face aux proies. Ok, il y a un trésor de l'autre côté. Ah! J'essaie par là. Vous êtes malin, vous! C'est bon, ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Type 95 du C4. D'accord. Donc je suppose déjà qu'il y a un trésor à récupérer. C'est plutôt cool. Mais je suppose qu'avec ce C4, j'ai vu l'éclair passer à travers ce mur. Et pourtant, ah d'accord, non, c'est parce qu'il y a un trou ici. Putain, c'est tellement bien fait, c'est incroyable. Réellement les gars, on peut dire ce qu'on veut, c'est incroyable. Alors je sais que ce let's play, étant donné... Ah. Ok, il a amorcé, et je fais quoi? D'accord. Et je suis un trou du cul parce que la porte est juste ici. Ok. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça, effectivement. Donc, fallait bien passer par ici. Très bien. Très, très bien. Gauche ou droite? Allez, hop, on va à gauche. Allez, faut y aller. C'est... Oh, 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 merde. À terre, vite. Ok. On a eu chaud, les gars. Putain, c'est Nadine. Oh, elle est vraiment dans la merde, là. Faut que je la rejoigne. Ok, elle était par ici, hein.
On va y aller, hein. Hop. Je peux dire adieu à la caution. D'accord, c'est Nadine qui s'est fait retourner. Très bien. Très très bien. En tout cas, c'est le véhicule que Nadine a retourné. Hein, et non Nadine qui s'est fait retourner. Attention, je vous connais maintenant. Faites pas les cons. Tiens, c'est bien tentant. Je suis pas fan de la type 95 et celle-là, il me semble qu'on l'a pas beaucoup utilisée. Ok, cette porte me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je vais prendre ce que je mérite. Ok. Ok, j'ai voulu tenter un truc. J'ai voulu tenter un truc. Je pensais avoir le temps d'aller. D'aller dans l'herbe. Mais comment je peux faire là? Je peux rien faire. Ah mais il peut venir ici, d'accord. Oh merde. Ok, on court les gars, on se raccroche à la vie. Ça va être un petit peu terrible. J'ai fait peut-être la pire erreur de ma vie. Ça va être un petit peu compliqué. Oh, ça me plaît. Et ça me plaît encore plus. Ok. Attends, il va passer par où? Waouh! Attends, je me récupère. Yes, je me récupère. Waouh! C'est dingue! C'est à moi. Waouh! Arrête! Oh là 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 là, j'ai tellement pris ce que je méritais. Oh ben là c'est terrible, là c'est terrible. Ok, on est reparti, fallait la refaire, hein. J'avais très très mal commencé. Attends, je suis pas cramé encore là, ça va. Nadine, je l'ai vu passer par ici. On va récupérer le C4, on va essayer de faire péter ce putain de tank. Elles sont repérées? Toujours rien. Ouvrez bien l'œil. Elles doivent pas se cacher bien loin. Elles okay. Ont pas pu aller loin à pied. Pas bien. Eh, hey, vous avez trouvé quelque chose? RAS ici. Oh putain, comment il est venu en mode vénère. Yes. On va pouvoir ressortir. Là, ça nécessite grosse concentration. Pour ne pas dire concentration de l'extrême. Attendez, hein. Normalement, il est censé venir par ici. Ok. Ok, il fait que le passer. Ça va être assez compliqué. Je vois pas trop où on peut le mettre, le C4. On va voir ça. Là, on est bien. C4 amorcé. Okay. On va essayer de se dépêcher de descendre vite. Ah! On arrivera bien à se bloquer. Ça batte de l'aile. Ok! On nous arrêtera pas! Aïe! J'y ai fait péter 2 C4, c'est pas mal! Oh merde. 3 c'est bon. 3 c'est toujours la bonne. Yes. Bonne chose de faite. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant on va essayer de choper les derniers qui restent. Impeccable. Oh
tempête. Quoi? Des renforts. D'accord. Forcément, j'ai été cramé, les gars. C'est de ma faute. Mais on s'en est pas mal sorti. J'ai eu très très chaud. Je vais pas vous mytho. Qu'est-ce qu'on a là? On va quand même garder pas fan du fal. On va quand même garder notre petite type 95 parce que moi je peux tirer en balde. Vous avez bien vu qu'à mon avis c'est fort ici. Oh là 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 là! Elle est là. Elle a pris ce qu'elle méritait ou pas? Goldfinger, bah forcément. Je vais là, toi. Descends, monsieur. Oh quoi? Ouais, on verra plus tard, on verra plus tard. C'est peut-être pas très important, je pense. Ok. J'arrive, Nadine! Ça y est. Plus personne. Ok. Tu veux un coup de main? On est redevenu amis. On oublie tout. On passe à autre chose. Oh, la cloche. Et voilà. Même pas un merci. Attends, tu m'as carrément menti. J'ai pas menti. J'ai juste préféré ne pas te parler de Sam. Incroyable. Écoute, Asav va prendre de l'avance. Il faut pas qu'on traîne. Oh merde. Écoute. Allez, crache le morceau. Ok. On joue carte sur table. J'ai besoin de ton aide. Il fallait y penser avant. Et toi, de moi, si tu veux la défense. Ok, j'aurais pas dû. D'accord? C'est ça, tes excuses. Si ça t'aide à te calmer, on va dire que oui. Écoute, là, on a toutes les deux quelque chose à perdre. Tu comprends? Que ce soit bien clair. Ma priorité, c'est la défense. Pas Sam Drake. Et encore moins toi. Je comprends. Ok. Au moins c'est réglé. On s'est retrouvés. Oh, on méritait les gars, on méritait. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Néanmoins, j'ai vu un tout petit truc qui me turlupine, si on peut dire ça comme ça. On va faire demi-tour, on va aller là-haut. C'est ça là, cette sorte de vase là. Je sais pas ce que ça peut être. Mais on va aller voir. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Donc autant aller vérifier, d'accord? C'est par ici, en plus on peut normalement... Ah, j'ai failli mourir. On peut normalement tout faire grâce au grappin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme des jets. Il y a forcément quelque chose à activer, non? Et je pense que c'est en haut de cette tour. Oh, j'ai envie d'essayer, hein. Oh là là. Oh, j'ai envie d'essayer. Vous savez quoi? On va voir vite fait si on peut monter en haut de cette plus haute tour. Et on peut pas... Non, on peut pas du tout rentrer dedans, en fait. Ok, on peut juste pas rentrer dedans. Il n'y a rien à faire. À moins d'un coup de grappin. Et il n'y a pas de quoi grappiner sur le bord. Il n'y a rien. On peut rien faire. On peut pas faire cette tour pour le moment. Peut-être qu'on reviendra quand il fera un peu plus bon. Parce que là, sous cette pluie, ça m'étonnerait. Très bien, bon. Je vais récupérer ce pourquoi j'étais aussi redescendu à la base. Non seulement cette petite énigme m'intriguait, mais en plus j'avais vu un coffre qui est ici. Et qui peut me refaire niveau pistolet, ça serait plutôt cool. Et pourquoi pas niveau aussi, niveau C4. D'accord, il m'a juste redonné un C4, très bien. Bah écoutez, je prends quand même. Je sais pas si on peut accumuler grenade plus C4. Très bonne question, je m'auto-questionne. Ok, c'est parti. Bah là, on est obligé de marcher, on n'a pas le choix. C'est notre destin. Hop, munitions type 95. Ça met toujours bien. Qu'est-ce que c'est? Oh, un temple. Qu'est-ce que tu fais? Je t'assure qu'on ne nous suivra pas. Hein? T'as bonne idée. Voilà, j'éclaire derrière sans regarder. Ah bah, je suis avant tout un gars sympa. Ok, très bien. On va pouvoir avancer. C'était quoi? Ni plus ni moins que ce que t'as entendu. Ok, on me suivra peut-être pas. Mais enfin, les mecs sont déjà peut-être dedans aussi. Il y a peut-être toute une armée dedans d'ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils prennent des raccourcis. Ah oui. Ouais, ça servait à rien de fermer la porte, quoi. T'aurais gagné du temps à fermer ta gueule. Ah!
Ok, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ok, waouh. C'est pas dégueu. Regardez ces décos, tout ce relief et tout, c'est quand même assez insane. Ouais. Ok, on a quelque chose. On va tout casser. On sait jamais. Ok, ou c'est peut-être juste ici. C'est incroyable. Je pense que c'est peut-être juste ici le trésor. Oh, ça alors. Les rois ont fait entrer leur peuple dans ces tunnels. Quoi? On n'a pas trouvé l'entrée. Mais la porte de sortie. D'accord. Ça va être toujours aussi impressionnant. Non mais c'est pas possible. Attends, casse-toi. Je vais m'énerver. Ok. On dirait un puits à degrés. Ok, c'est juste ici. Aucun tu souci. T'en fous. Chut, t'as entendu? Maintenant, oui. Ok, qu'est-ce que ça peut être? Une... On avait vu une sorte de vache ou de taureau ou quelque chose, un animal qui était rentré. Peut-être ça. On va voir. Ignorez-nous. Ok. Chut, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais c'est proche. Il y a un trésor. Il y a un trésor ici. Ça me parle. Et je suppose qu'il est là-haut. Ok, c'est pas mal. On récupère pas mal de trésors, les gars. Oh non. Ok, 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 comment tout faire? Je vois pas. Oh, hey, ça va aller. Elle est coincée. Je crois pas qu'elle soit blessée. Ça a dû s'effondrer à cause de l'explosion. Doucement. Chut, 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 tout va bien. Désolée. On va te sortir de là. Ok. Allez, c'est parti, les gars! On la sort! Attends, pars pas si vite! Il faut qu'on saute! Reste calme! Tu me parles à moi ou à l'éléphant? Les deux! D'accord, on peut caresser. Tout doux! Tout doux! Tranquille! Ok. C'est pas moi qui dirige là, hein. Je dirige rien du tout. Ok. Il nous emmène où? Où il veut. Ah, là c'est moi qui dirige, parce que c'est moi qui ai demandé d'aller à droite. D'accord, c'est un temple le bordel. Attends, 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 stop, 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 repense à tes mômes. De quoi tu me parles? Il y avait un trésor! Comment on quitte? Stop! Ok, en appuyant sur carré, je le caresse. Derrière l'oreille. Bon, on peut peut-être pas, on Tiens. Peut peut-être pas. J'étais sûr d'avoir vu un trésor, mais... T'en veux? Tu veux un peu de papaye? Ok. Donc je suppose que c'est censé être magnifique tout ce qu'on voit là. C'est vrai que c'est beau. Je pense que le studio n'en est pas peu fier. Je peux pas m'arrêter par contre, hein. On est d'accord. Hein. Voilà. Par contre je peux lui donner. Ok. 3 je lui donne. Tu vas où là? Tu vas où là? Attendez, là je. Et vas-y, je lui donne tout. Encore? Il mérite. Je peux lui donner la branche là? Ah non. Ok. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai nourri en restant appuyé sur croix à chaque fois. Mais si ça se trouve, c'est le pur hasard. Et ça, ça nous arrive souvent, vous le savez. Écoute, je... Je suis pas très douée dans ma relation avec les gens. T'es qu'une conne égoïste. Ouais. T'as raison. Je suis qu'une conne égoïste. Ouais. Ça fait du bien de l'entendre. Alors, t'as entendu ça, papa? J'ai finalement hérité d'un peu de toi.
Il est arrivé quoi à ton père? Il était du genre à jamais rien lâcher. Le ministère de la Culture lui a proposé de financer une autre de ses expéditions. Parce que cette fois, il était sur un gros coup, comme il disait. Il était toujours sur un gros coup. Mais des bandits ont attaqué son campement et... ils ont retrouvé son corps des semaines plus tard. Et cet objet stupide, c'est ce qui me reste de lui. Je suis désolée. Oh, ça va. Il a fait ses propres choix. Alors... écoute, Fraser, t'as pas... Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il charge. Dis-lui d'arrêter. Comme si je parlais à éléphant. Regarde-moi ça. Je comprends pourquoi elle était si pressée. Et à propos de Sam... ça va, j'ai compris, ok? J'ai mes merdes à régler, moi aussi. Alors je te propose de mettre ça de côté. Ok. Ça marche. Allez. Au moins, on aura accompli une bonne chose aujourd'hui. On aura réuni une famille. Garde tes distances. Viens un petit avec eux. Je sais. Ok, on va donc garder nos distances. Comme il le voulait. C'est plutôt cool, on a réuni des éléphants, mais alors comment ils sont arrivés là? Et surtout par où ils vont ressortir? Ça, c'est une autre histoire. Là, tu tombes, t'es mort. C'est l'enfer. C'est-à-dire, si tu veux une image de l'enfer, c'est ça. Y a rien. Y a strictement rien. Ils ont modélisé de l'eau vite fait. C'est plus du vide à mon avis. J'ai envie de tomber limite pour que vous voyez à quel point il y a zéro animation. Tiens, on va les prendre en photo. C'est ce que je cherchais en plus. Attends, je vais la prendre celle-là. Ah, ok, merci. Pousse-toi un peu. Nickel. Maintenant, tu tends ta main un peu par là. Quoi? C'est le moyen le plus sûr de caresser un éléphant. Merci beaucoup. Ok, bon, vous l'aurez compris, ils ont joué sur l'angle et tout, comme ça, ça donne l'impression qu'elle caresse un éléphant. Mais que nenni! Qu'est-ce que vous êtes là? Ça affrontant le tigre. On est sur la bonne voie, à mon avis. On a un trésor, qui est juste ici. Mon sens de l'araignée s'affole. Bonne chose de fait, on récupère tellement de trésors ça par contre. Ça fait peut-être longtemps, mais dans mes souvenirs, les éléphants étaient plus grands. T'as sûrement l'habitude de voir des éléphants d'Afrique. Là, ce sont des éléphants d'Asie. C'est quoi la différence? Plus petit. Plus petites oreilles. Avec, comme, des doubles bosses sur le crâne. D'accord. C'est intéressant. Sachez que ce qu'elle dit est vrai. Donc voilà. C'est un petit peu de culture dans un épisode d'Uncharted. Ça fait toujours plaisir. C'est avant tout ça, Uncharted. C'est sympa, le plaisir et la culture. Ça, de nous avoir laissé des provisions. Fais le plein si besoin. Ça marche. Ouais, bah, les gars, ça, vous savez qu'on va en avoir besoin. Il suffit. Faut pas me le répéter deux fois. Ok, montre-moi ce que tu caches, je te dirai qui tu es. Une ogue. Ogue. Ok, je prends. Et là, une type... je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai plus qu'une balle dans le pistolet de toute façon. Allez, s'il te plaît, j'aimerais... yes, le pistolet, merci. Merci, 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 merci. Ok, attendez. On va garder la ogue, les gars. Et je suppose que c'est par ici, tout simplement. Là-haut. Hop, voilà. Aucun souci. À mon avis, il y a une petite photo à prendre. Oh là là, cet arbre. Mais matez-moi cet arbre! Je veux le même à la maison! Ok. Photo enregistrée dans l'album. Ça, c'est pour les enfants. Quand j'aurai des enfants, je pourrai leur montrer toutes mes aventures incroyables. Attendez. Attendez. Mon sens de l'araignée s'affole. Ok.
Ok, c'est pas par ici. C'est tout simplement ici, d'accord. Maintenant, les trésors sont en plein milieu du chemin. Je prends volontiers, ma foi. Ok. Je prends encore volontiers, ma foi. Attendez, attendez, je viens d'où, là? C'est magnifique. On dirait une grotte. On dirait des îles dans une grotte. Une archipel dans une grotte. Et je viens d'où, là? Quel est ce fuc? Il y a d'ici, moi, non? Je ne comprends pas! Oui, non, mais attends. Je suis totalement... Non! C'est bon, t'inquiète, j'ai maîtrisé. T'as eu peur ou pas? T'as douté un moment, non? Quand au milieu d'une non, je sais que t'as douté. N'hésite pas à mettre en commentaire si t'as douté. Mais bien sûr que je passais, c'était évident. Ok, je vois pas du tout par où passer là, par contre, c'est terrible. Je vois pas du tout par où passer. C'est terrible. Non. Hop, on va le rip. C'est par là. Allez. Mais ça serait totalement con parce que... Je ne comprends pas. On tourne en rond. Non mais je ne comprends pas. Genre vraiment là, c'est terrible. Attends, ici on a eu l'animation. Ouais putain, ils nous ont laissé des provisions à ça et tout. Waouh. Et ensuite, c'est quoi le délire? À quoi ça rime? Yes, j'ai compris. Ok. Ok, j'ai clairement compris. Bah, putain, fallait le voir, mon pote. C'est tout simplement plus haut. D'accord. Ok, on peut continuer. À mon avis, le gardien de la porte, on va affronter quelque chose. Quelque chose d'assez badass, d'assez grandiose. Quelque chose de très Uncharted. Quoi, par contre, j'en ai strictement aucune idée. Un géant. Ou une énigme. Ça sent pas bon, ça sentait pas bon. J'ai fait vite. Oui, c'est... Déjà, où est la porte? Déjà, ça serait pas mal. Parce que c'est bien de garder une porte, mais si tu ne sais pas où est la porte, il n'y a pas besoin de gardien, finalement. Parce qu'elle est... Ah, je crois qu'on s'en approche. Regarde, non, en haut des escaliers, je vois de la lumière à travers l'eau. Ah! Et nous voici face à la beauté, l'héritage perdu. Bonjour, Bellour. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on peut admirer une ville que personne n'a vue depuis des siècles. À part Asav. À part Asav. Et une partie de ses hommes. Et une partie de ses hommes. T'es prête? Tu viens... de me gâcher ce beau moment. Tu t'en rends compte? Ouais, je suis prête. Et nous, on n'est pas prêts, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter à ce chapitre 7. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vous fais des bisous et la suite très 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 bientôt. Portez-vous bien, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.